Alléluia. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui sont à l'écoute, qui nous suivent en ligne également. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais demander autre chose. Si vous êtes d'accord, on va le faire. Dimanche prochain, nous allons tous rester à la maison. Et puis, on va suivre en ligne. Qui est d'accord? Dimanche prochain, on ne vient plus. Nous allons suivre en ligne. C'est bizarre, hein? C'est un vieux qui dit des choses bizarres. Qui comprend pourquoi je le dis? Moi, viens prendre la parole. On va rester à la maison tranquillement, puis on va suivre en ligne l'église. Tous à la maison. Vas-y, mon bien-aimé. C'est parce que plusieurs restent à la maison pour écouter. Parle fort pour eux, ceux qui sont à la maison, tu vas entendre. C'est parce que plusieurs frères restent à la maison pour suivre en direct. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les exhorter à venir au temple, à reprendre leur place dans le temple, l'église. Amen. Qui a compris? Amen. Vous allez suivre qui? Jusqu'à est toujours là? Akli est toujours là? Tous les frères? Alors nous, on suit en ligne. Vous allez suivre qui? Oui. Là, Frère Mathieu ajoute, si les gens restent en ligne, vous avez su quoi? Beaucoup de frères n'ont pas encore compris que nous sommes à la fin. Nous devons être sobres et sages pour vaquer à la prière. Ils sont à la maison. L'heure est à la réparation, frère. Si on a offensé quelqu'un, mettons l'ordre. Amen. Le frère Abraham dit que ça va se passer de façon rapide. Les prédicateurs continueront de prêcher la repentance, mais la miséricorde sera retirée. Vous qui écoutez, regagnez, reprenez vos places dans l'église. Alléluia. Amen. Alors, frère Franck a terminé sa prédication. Il a terminé, j'ai suivi. Béni soient ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Amen. Vous savez, tout le monde comprend mal. Quand le frère enseigne, c'est tellement dense. Il y en a qui pensent, on est sauvé, c'est fini. Non. On est sauvé pour pratiquer les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous. Amen. Qui a bien compris? Frère, on va lire un passage et puis je serai très bref. Je vais mettre un accent sur deux points et puis c'est tout. Hein. D'abord, le premier point, c'est des gens qui abandonnent l'église, sont chez eux et puis ils suivent en ligne. Vous suivez qui? Faites mal. Revenez à l'église. Amen. Alors, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Quand quelqu'un pense qu'il peut rester à la maison, suivre en ligne, c'est un faux raisonnement. Qui a compris? Tu vas suivre qui? Moi, le vieux, il peut
Restez à la maison, dormir. Un vieillard comme frère Franck, il fait tout pour nous apporter la parole. Toi, tu restes à la maison. Près de 90 ans. C'est pour toi et pour moi qu'il le fait. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Moi, je connais Franck, je suis allé chez lui. Il n'a pas besoin de ces choses. Mais c'est pour toi et pour moi qu'il le fait. Il prend tous ses forces et dit, bah, ces gens ont besoin de ces ministères. Et puis toi, tu restes à la maison. Frère, l'heure est à la repentance. Laissons-nous corriger. Laissons-nous émonder. Laissons-nous arracher les plumes inutiles. Et demeurons dans la parole de Dieu. La vérité se trouve ni à droite ni à gauche, mais au milieu. Et c'est cette vérité que nos frères nous apportent. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, alléluia! Qui est d'accord? La loi de? Ne vous laissez pas entraîner. Je vais trouver un passage ici, j'ai cherché partout, je vais vous le lire. La loi de la liberté. Voilà. Le Seigneur nous a affranchis. Ne nous laissons pas asservir par les hommes. Qui a compris? Laissons Dieu nous conduire lui seul. Regardez un peu. Je vais vous lire ici. Hébreux chapitre 13. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Dites amen. Amen. Hébreux 13, verset 9. Non, c'est verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Oh, je voudrais savoir si vous comprenez. Qui comprend? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Moi, je tiens à ça. Hein. Parce que Dieu m'a racheté à un grand prix. Personne ne peut me racheter. C'est écrit dans Ésaïe 43. Tu as du prix à mes yeux. Et ce prix a été payé à Golgotha. C'est moi qui l'ai porté à la croix. Quand il a souffert, c'est à cause de moi. Je ne me laisserai jamais asservir par quelqu'un. Qui comprend cela? Restez libre. À moins que vous n'ayez pas connu la vérité. La Bible dit, vous connaissez la vérité, et la vérité, ce message, c'est un message d'affranchissement. Par contre, tu as du prix à mes yeux. Amen. Ce prix a été payé à Golgotha. Je ne peux pas me laisser asservir par quelqu'un pour de l'argent. Jamais, jamais, jamais. Par contre, tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alors Dieu a payé ça et puis il va donner l'argent, des millions, des milliards, même des milliards. Ce que Dieu a fait pour toi, aucun milliard ne peut le faire. Qui est d'accord? Aucun milliard. La Bible dit, ne vous confiez pas aux grands.
car il ne peut sauver votre âme. Le même jour qu'ils meurent, leurs desseins périssent. Le même jour qu'ils ferment les yeux, leurs desseins périssent. L'argent n'est rien. Hein? Absolument rien. Voilà. Donne-moi le passage. Hein? Ne vous confiez pas aux grands. Psaume 146, verset 3. Tenez ces choses. Ne vous confiez pas aux grands, aux filles d'hommes, de l'homme, qui les peuvent sauver. Ils sont grands, mais ils ne peuvent pas sauver. Ils ne peuvent même pas se sauver eux-mêmes. Ne vous confiez pas aux grands, aux filles de l'homme, qui les peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rendent la poussière, ils rendent la terre. Et ce même jour, tous leurs desseins périssent, tous leurs projets. Lui a fait cela, c'est fini ça. Qui comprend? Qui veut avoir les mains? Oh, fait Isaac, on m'a proposé des millions. Laisse tomber ces millions. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit. Il est le jour où il va gérer. S'il a créé un gros bélier dans le désert, ton problème est tout petit. Il dit, regardez ici. Regardez. Lève les yeux. Et regarde, qui a créé ces choses? C'est moi, dit l'Éternel. Comment peux-tu dire, Jacob, que ma destinée est cachée devant toi? C'est de l'incrédulité. Tu es incrédule? Levez vos yeux en haut, regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en leur âme? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir. Dieu a un grand pouvoir. Et ce pouvoir est mis à ta disposition. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien n'a dit le diable. Il ne pourra rien te faire. Alléluia. Oh, ramenez ça, s'il vous plaît. Non. Ramenez ce passage tout à l'heure. Son grand pouvoir. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Kofi? Quoi Dieu, Isaac? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit pas inaperçu devant mon Dieu. C'est faux. Tu es un incrédule. Dieu sait sur tout, il sait tout sur toi. Et il a déjà préparé les bénédictions pour toi. Amen. Mais reçois, accepte et crois. Amen. Tout à l'heure, le frère Franck a dit, ne regardez pas aux circonstances, regardez aux promesses. Amen. Oh frère, tu prêches, mais moi, mon problème, ton problème n'est rien du tout. Amen. Dieu te connaît, il connaît ton problème. Avant que tu sois né, il savait que cela devait t'arriver. Et il a prévu déjà la fin. Et il t'a pris en sa charge dès ton origine. Que Dieu bénisse, frère Mathias. Qui croit cela? Dieu t'a pris en sa charge dès ton origine. Et il te prendra en ta charge jusqu'à la vieillesse. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'argent. Il a tout déjà prévu pour toi. Mais ne sois pas incrédule. Accepte. Reçois. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Il ne peut pas mentir. Auprès de lui, c'est tout. La rédemption en abondance. Alléluia. Oh Dieu, sois loué. Pourquoi dit-il Isaac? Pourquoi dit-il la frère? Isaac, Dieu est caché. Non. Ta destinée n'est pas cachée devant l'Éternel. Ton droit ne passe pas inaperçu. Il sait tout. Il peut tout.
il veut tout. Il veut tout t'accorder. Mais toi, accepte. Amen. Continuons le texte. Ne sais-tu pas? Très souvent, mon peuple meurt. Et la Bible dit, je t'instruis pour ton bien. Qui veut t'instruire? L'instruction est réservée à ceux qui veulent apprendre comme des enfants. Pas aux théologiens. Les théologiens, ils ont fait la théologie. Ils ont une série de choses à répéter. Un chrétien ne répète pas. Sa prière est une communication directe avec son maître. Et quand il se noie, il dit, au secours, aussitôt. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. Oui, c'est vrai. La main de Dieu est puissante. C'est vrai. La main de Dieu est puissante. Oui, c'est vrai. La main de Dieu est puissante. Bien-aimé, les gémissements doivent disparaître pour laisser paraître l'allégresse et la joie dans le foyer du chrétien, dans son service, dans sa famille, dans son village. Alléluia. Là-dessus, tu as pris. C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les étoiles de la terre. Il ne se fatigue point. Il se lasse point. Comment peux-tu... Alors, on ne peut pas sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. À moi. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent. Se lassent. Et les jeunes hommes chancellent quand ils marchent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils le courent. Ils se lassent au point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Comment peux-tu dire, toi qui es assis là, mon problème est caché devant le Seigneur. Tout à l'heure, le frère Franck a dit, ne laissez pas glisser l'incrédulité dans ta vie. Laisse Dieu agir. Il a tout, Dieu vient toujours avec un panier plein de promesses. Il vient et il dresse devant tes adversaires une table. Et il te restaure. C'est-à-dire, il répare tout ce qui a été brisé. Et puis, il te fait manger. À satiété. Restaurer, ça veut dire réparer. Et puis, manger. Il est merveilleux. Alléluia. Qu'il soit loué, exalté, magnifié. Alors, on va lire un passage. 1 Thessaloniciens, pour ceux qui encore peinent, frère, moi je ne suis pas sanctifié. Alors, voilà ce qui est écrit. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. On a compris? Poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Qui le dit? C'est Paul. Et pourtant, Paul, il y a des moments, il ne mange pas 2 ou 3 jours. Hein. Mais il ne se plaint pas. Nous, quand on n'a pas mangé au riz, Seigneur, tu m'as abandonné. Non. Non. Soyez toujours joyeux. Le Seigneur n'abandonne pas. Voilà, je vais vous montrer une chose et puis on revient. Hein. Il n'abandonne jamais. Hmm.
La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. Oui, c'est vrai. La main de Dieu est puissante. C'est vrai. La main de Dieu est puissante. Oui, c'est vrai. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu. Puissante. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. Oui, c'est vrai. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. Oui, c'est vrai. La main de Dieu est puissante. Bien-aimé, je vais vous lire un passage qui va nous rassurer. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Les soeurs là. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de son entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen. Sois rassuré. Ne pas nous oublier. C'est vrai que les femmes jettent les enfants dans les poubelles. Mais Dieu ne va jamais t'oublier, il ne va jamais m'oublier. Jamais. Pourquoi? À cause de lui-même. Il dit, à cause de moi-même, j'efface tes transgressions. Je ne m'en souviens plus jamais. À cause de moi-même, pas à cause de toi. Voilà un bon père. Alléluia. Oh, il est bon. Alors, voilà. On revient à notre texte pour montrer que lui, il fait bon d'être avec lui. Parce que lui-même, c'est lui qui sanctifie. Prenez 1 Thessaloniciens. Voilà. À vous, lien 1 Thessaloniciens qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Alors, on a dit, donc, à partir du verset 15, on va aller rapidement. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Qui a compris? Au moins, si tu n'as pas compris, tu as entendu. Comment il fait quand je suis malade? Pleure quand tu es malade, mais sois joyeux. Dans cette église, j'ai connu quelqu'un. Un monsieur, frère, il était malade, couché sur son lit. J'allais avec pitié. J'y vais, bonjour frère. Il dit, ah frère Isaac, comment va l'église? Un mourant. Joyeux. Il est rentré dans la gloire aujourd'hui. Frère, soyons toujours. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas malade. Hein? On va pleurer, mais dans nos pleurs, glorifions le Seigneur. Allons-y. Verset 17. Priez sans cesse. Qui a entendu ça? Il y en a qui ne prient pas. Hein? Frère, est-ce que j'ai le temps? Mais tu as le temps pour manger. Oh, la Bible, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toi, tu ne peux pas manger à Keke, Gaba. Hein? C'est ça seulement que tu manges. Mais Dieu a dit, il va détruire le ventre.
il va détruire le ventre des mangeurs. C'est pourquoi, quelquefois, tu es malade et tout ce qu'on prépare, ça sent mauvais. Il te veut donner l'occasion de jeûner. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Parce que toutes choses concourent. Vous ne pouvez pas comprendre. Hein? Ah oui. Regardez un peu, frère Franck, ça va à Bombay. Il a tout préparé. Et il entend la voix, annule ce voyage. Il dit, mais Seigneur, tout est préparé, les gens m'attendent. Et écoutez, nous qui sommes très spirituels là, on a dit, oh, ça c'est le diable. Qui est d'accord avec moi? Ah, ça, le diable, il prépare tout. Comment tu peux dire? Dieu dit annule. Quand Dieu dit annule, on annule. Bien-aimé, ton projet qui est contre nature là, Dieu dit d'annuler. Tu as compris? Annule. Quand l'avion a pris le vol, paf, 98 personnes, tout le monde est mort. Les journaux ont publié, William H. Ewa Frank est mort. Oh non. Mais c'est l'homme de Dieu. Dieu prend soin de ses oins. Frère, sœur, ton projet qui est un projet contre nature, annule-le. Annule-le. Et attends-toi au Seigneur. Il va te donner ce qui est bon pour toi. Moi, j'aurais dit, mais ça, c'est le diable. Et je m'attends, et puis, ça, c'est ça. T'attends, arrête-toi. Il serait mort. Mais celui qui connaît la voix de Dieu, il la reconnaît. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est Christ en nous, quand on a. Alors, il parle en nous, il nous permet de distinguer sa voix distinctement. Alléluia. Continuons la lecture, frère. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. On a déjà expliqué ça. Continuons. Verset 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon chez le serpent? Sa prudence. Nous, on jette tout. Oh, frère, ça, c'est pas bon. On jette l'eau avec le bébé. Hein? On lave notre bébé comme l'eau est sale, on jette le bébé. Oh, l'eau est sale. On ne jette pas l'eau avec l'eau de bain avec le bébé. Chez le serpent, il y a quelque chose qui est bon, c'est la prudence. Nous devons être prudents. Amen. Continuons le verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Tout à l'heure, frère Mathias, il a parlé des critiqueurs, les tueurs par leur bouche. Mais le jour de la Pentecôte, les langues de feu sont venues pour purifier nos langues. Et cela doit être une réalité dans la vie de chacun. Amen. Continuons. Verset 23. Que le Dieu de paix. Écoutez maintenant ceux qui. Oh, est-ce que moi il peut être sanctifié? Non, tu ne peux pas le faire toi-même, tu ne le feras jamais. Tu as bien compris? Quand tu le feras, qui est toi pour te sanctifier? Tu peux? Sanctifie-les par ta parole, quand ta parole est la vérité. Jean 17, 17. C'est la parole. Si nous voulons, elle va nous sanctifier. Mais si nous raisonnons tel que nous sommes. Nous venons au Seigneur tel que nous sommes, nous repartons transformés. Amen. Allons-y. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de paix. Le Dieu de paix. Frère, écoutez-moi bien. Vous savez, quelqu'un qui n'apporte pas la paix, il n'est pas, c'est pas un chrétien. Partout où il arrive, c'est pas la vie. Et il dit, on ne m'aime pas, moi même pas. Mais quelquefois, c'est lui-même,
Le problème, c'est lui. Comment un monde natif ne peut pas t'aimer, toi? Non, le problème, c'est toi. C'est comme le chien. Le premier jour où le chien est arrivé, on lui a fait un bon repas. Pendant que le mouton était en train d'être bouilli là-bas, il s'en va, il mange le tabouret qui était un gigot de sanglier. Il dit, mais ils sont bêtes ici, comment ils mangent? Un gigot de sanglier, il se lave dessus. Et puis il mange. On l'attrape. on le renvoie à coups de trique. Il y a des chiens qui ont un esprit de chien. Ah oui, c'est vrai, ils ne rient pas. Partout ils passent, on ne les aime pas, mais eux, mais le problème, c'est eux. Aujourd'hui, nous devons rentrer, nous, pour chevaux. Si c'est moi le problème, Dieu pardonne-moi. Enlève l'esprit des chiens qui est en moi. Oh, les chiens, à la fin de la Bible, les chiens, là, leur place, c'est l'enfer. Il y a d'ailleurs qui ont un esprit des chiens. Partout, ils parlent, on ne les aime pas. Oh, moi, même pas. Oh, vous leur donnez beaucoup de repas, ils se plaignent. On donne moins, ils se plaignent. Je vais manger à table, il dit, moi, je ne mérite pas à table. Va manger à terre, il faut me mettre à terre. Ça fait rire. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils ont un esprit de chien. Ils retournent à ce qu'ils ont vomi. Et à propos de ça, je vais parler de Joseph tout à l'heure et puis terminer. Alléluia. Amen. Continuons. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Tout entier. Vous savez, nous pouvons faire un jour, on va vous convaincre. Venez, on va se sanctifier. On ne marche pas 10 jours, 15 jours, 20 jours, 30 jours. 1000 jours. Ça serait zéro. Qui est d'accord? Zéro. 0 sur 20. Je connais des gens qui ont fait 40 jours de jeûne. Et puis, les voix sont devenus un squelettique. Ils continuent de voler. Ah oui, il y a un qui est venu voir. Alors, frère Isaac, il est venu voir. On a 200 millions, on va décaisser pour construire une grande église à Cocody. Pourquoi on n'a pas assez d'argent? On est venu demander, donne-nous 70 000 francs. On va aller payer le loyer. Il dit, mais je vous prête ça, écrivez. Il vous dit les choses, Bible en main. Il a écrit, il est parti, ça fait combien d'années? Il a disparu. À un moment, il a disparu. Là, il a fermé la porte. Des opportunistes. Ce n'est pas des chrétiens. Hein? Ils vont trouver un frère. Quand le frère est sentimental, ils vont l'escroquer. Ils vont l'escroquer. Escro, arrête. Arrête l'escroquerie. Soyez chrétien. On ne peut pas se sanctifier soi-même. Personne ne peut le faire. Sinon, on devrait sanctifier tous nos villages. C'est pas vrai? Lis le passage qui nous dit la bonne nouvelle, la promesse. Verset 23. Que le Dieu de paix. Alléluia. Frère, soeur, écoutez-moi. Si quelqu'un vient chez vous, il n'a pas la paix, c'est pas un serviteur de Dieu. Ah, je vais le monter ce que je suis. Toi, le monter ce que tu es, tu n'es qu'un démon. Tu n'es qu'un démon, hein. Regarde, frère, Branham prêche. Plusieurs n'ont pas la possibilité d'écouter dans celui qui est en vous. Il dit. C'est le diable qui entre les gens. Il entre les gens, il est des méchants. Par contre, dans le millénium, le lion et l'agneau vont s'asseoir côte à côte. Pourquoi? Parce que Satan sera enchaîné. Vous comprenez? Aujourd'hui, les frères, ils sont méchants parce que le diable entre en eux. Je vais les détruire, ils vont me mater, ils vont connaître. Mais tu n'es qu'un démon. Est-ce qu'on a besoin de savoir ce que c'est? Si tu viens pour. Le diable vient pour détruire.
Un serviteur de Dieu, il construit. Lui n'est rien. Moi, je suis rien. Priez pour moi. Mais on doit construire. On doit édifier. Ce qu'on dit, tu dois apporter la parole de consolation. On n'est pas pour détruire. Alléluia. Que le Dieu de paix, amen, vous sanctifie en envoyant un ange lui-même. Amen. Tout entier. Écoute tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est heureux? Moi, par combien de jours je sens? Frère Branham prêchait, il jeûnait 2 jours par semaine. Tous les jours, toutes les semaines. Il faisait des jeûnes de 40 jours, 50 jours. On n'éprouve rien le faisant. Le jeûne n'est qu'un allié de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui vous a appelé est fidèle. Amen. Qui a été appelé? Amen. Qui a été appelé? Amen. Donc, reste tranquille, le Seigneur te sanctifie lui-même. Amen. Depuis la tête jusqu'au pied. Reste tranquille dans la parole de Dieu. Il ne faut pas courir après. Vous avez, aujourd'hui, les gens attendent la main. Oh, les démons, les gens tombent. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Si quelqu'un m'écoute là, viens monter où tu as trouvé. Jésus a fait confiance. Les gens sont tombés. Moi, je n'ai pas vu ça. Hein. Je veux apprendre. Il fait confiance. Puis, oh, les gens tombent. Les gens tombent. Non, ça c'est autre chose. Hein. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais ce n'est pas ce que j'ai appris. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Celui qui vous a appelé est fidèle. Alléluia. Et c'est lui qui le fera. Amen. Gloire à son nom. Amen. Maintenant, je vais parler un peu de Joseph. Frère, écoutez-moi très bien. Vous savez, Joseph, c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Les frères, les sœurs qui tombent encore dans le péché d'adultère. Vous n'êtes pas encore converti, mais le temps est venu pour vous de vous convertir. Qui comprend cela? Un frère était là et puis elle est venue tomber sur moi, et puis quand je me souviens, déjà, on a commis l'adultère. Non, frère. Tu es un menteur. Tu es un voleur. Tu es un adultère. Tu es un criminel. Tu es un criminel. Va tout droit demander pardon au mari de la femme, s'il est vivant. Sinon, tu es perdu pour toujours. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Hein? Frère Blomand dit, il dit, mon petit Joseph, là, je lui dis, il ne faut pas aller sur la rue, il est assis là. Parce que s'il va sur la rue, il va te tuer. Lui, il ne comprend pas, mais c'est moi qui vais perdre. Et nous sommes des sentinelles. On doit avertir le peuple. En vous avertissant, nous avertissons nous-mêmes. Amen. Qui a accompli? Alors, quand elle est venue tomber sur moi, et puis après, on a... Non, frère. Je suis trop vieux, pourquoi tu me racontes l'histoire? Notre bien-aimé frère, Lambert, ce vieux de Dieu, le diable secours, il a confirmé ici. Il y a une soeur, une prétendue soeur, elle est malade. Viens prier moi. Et puis, il s'en va, elle a un pied en l'air comme ça. Il a fui. Fuyez l'impudicité. Il était là. Hein? Il a confirmé. Comme je suis serviteur de Dieu. Ah non. Hein? Demande le péché à pas serviteur de Dieu. Il faut fuir. Sauve-toi pour ta vie. Et quand tu vas, dirige-toi en arrière. Quiconque a la main à la charrie, qui regarde en arrière, n'est pas pro au royaume des cieux. Tu as compris?
Quand tu as la main à la charrue, on regarde bien en arrière. Frère. Elle avait un pied comme ça. Et ici, malade, il a vu ça. Oum! Elle voulait le rattraper. Ouf! Il est parti. Elle va le tuer. Et c'est le Dieu pasteur de l'église. Il va venir. Hein. Et si vous allez, il y a une femme, hein, on est tombé ensemble. Il ne veut pas entendre ça. Hein. Qui a compris cela? Les criminels, là. Allez réparer ce que vous avez fait. On vous couvre la terre, vous êtes sauvés. Joseph était un bel homme. Mais ta beauté n'ouvre pas la voie à la licence. Ce n'est pas le diplôme de licence. Hein. Ça veut dire au désordre sexuel. Ah, frère, tu vois que ça, c'est les femmes qui m'aiment. Oh. Un jour, une femme est venue, une soeur est venue. Hey, frère Isaac, hey, c'est la dernière fois. Tu me salues comme ça, là, je vais te gifler. Ça, c'est pour ton mari. Entre nous deux, il n'y a que l'amour filéo. L'amour éros, c'est pour les incrédules chez les femmes partout. L'amour agapé, agapéo, c'est ce que Dieu nous donne. 1 Corinthiens 13. Et c'est ça qui doit faire la vie des chrétiens. On pardonne tout, on croit tout, on supporte tout. Joseph a fui. Il n'a pas regardé à l'ascension. Vous savez, j'avais un collègue inspecteur. Il est décédé maintenant. Un jour, il dit, ils sont morts, tu sais, quand je vais en tournée là, ma patrouille devient ma femme. Tu dis quoi? Du coup, je lui dis, tu es criminel. Tu es criminel. Ta patrouille qui est mariée devient ta femme. Ma patronne dit ça, ma patronne. Donc moi, 0, je suis 5, hein, mais tu me... Moi, je ne veux pas m'en voir. Il y a des mauvaises femmes. Et vous savez que les gens ont traité frère William Branagh de misogyne. Elle dit, il n'aime pas les femmes, ce n'est pas vrai. Il dit, les mauvaises femmes envoient plus de personnes à l'enfer que tous les bars. Elles sont douces et on fait le repas. Non, non, non. On reçoit un frère en tant que frère. Ça s'arrête là. On dépasse à l'église. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? On dit des choses que Dieu a faites pour nous. Un jour, je vais chez un frère. Frère, il rentre chez moi, on rentre nous aussi. Frère Fan n'a jamais bu de l'alcool comme les gens l'insultent. Mais c'est à eux de réparer ce qu'ils ont fait. Moi, ça m'intéresse pas. Je vais chez le frère. Chaque fois, je vais chez lui. Je dors dans sa chambre avec lui. Et puis, j'arrive. Écoutez-moi bien. J'arrive. Il n'est pas là. Et puis, sa femme entre dans la chambre. Prac, elle ferme la porte. Elle dit, soeur, qu'est-ce que je vais dormir ici. Ici, j'ai pris un bagage. J'ai pris mes bagages, parce que quand je vais, je suis tout habillé comme ça, hein, sauf les chaussures. Je suis prêt à partir. Allez, son beau va. Je suis sorti, je m'en vais la nuit là, je cherchais un hôtel. J'ai dormi chez les enfants. Ah bon, il y a chez les enfants? Tu vas me détruire? Pourquoi? Pour rien. C'est l'insensé qui commet adultère. Hein. C'est un vol d'abord. C'est un vol. Hein? Alors, si vous êtes là, frère, essayez d'aller vivre. Hein? Joseph a fui, nu. Fuyez l'impudicité. Celui qui s'attarde à la prostituée devient un seul corps avec elle. 1 Corinthiens 6, je crois. Si tu cherches les prostituées, tu deviens prostituée.
Tu n'es pas un chrétien. Et puis, ici, on n'a pas besoin de l'argent des prostituées dans le temps. Qui a compris? Qui comprend? Si une femme qui vient ici, elle se prostitue, il ne faut pas apporter ton argent ici, c'est maudit. Ah oui, on n'a pas besoin de ça. Répends-toi donc. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Ce n'est pas ton argent. Un Dieu me dit, frère, tu sais, tu ne connais pas mes problèmes. C'est lui qui peut m'en aller, il m'en fout de ton problème. Tu connais les miens? Moi, j'ai beaucoup de plus de problèmes que toi. Mais restons intègres. Abraham, sois intègre et m'a devant en face. Ici ton bouclier. Et ta récompense sera grande dans les cieux. Joseph va fuir. Imitons Joseph. Vous savez la suite? Je n'en parle pas, je parle de son caractère. Un caractère divin. Une image du Seigneur qui a fui le diable. Il a dit, lève-nous et partons, car celui qui vient, il n'a rien à moi. Si vous voyez quelque part, les gens sont en train de parler de drogue, d'argent, de femmes, lève-vous et partez. C'est pourquoi je dis et je crois qu'un chrétien ne peut pas être chef du village. Vous ne pouvez même pas d'accord. Hein? Il y a des frères qui sont chefs du village. Moi, je ne suis chef du village que si tout le village est converti. Tout le village est converti, alors je suis le chef. Et en même temps, on jeûne, on prie. Mais je ne veux pas aujourd'hui, demain, être chef d'un village où on fait les libations. Non. Allez dire aux frères qui sont chefs du village, ils ont pris une décision très importante qui les engage. Alléluia. Amen. Faisons comme Joseph. Amen. Amen. Alléluia. Alors, et puis l'autre point que je voulais toucher et puis terminer, c'est le psaume 20. Amen. Et puis on termine. Hein? Amen. Le psaume chapitre 20. Amen. Le psaume 20, pardon. J'aime bien ce psaume, je l'aime bien. Allons-y. Écoutez-moi bien, très bien. Psaume 20. Non, c'est 20. Psaume 20. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. I-N. Allons-y, mon bien. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Qui est heureux? C'est vraiment bon. Continuons. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Alors, quand les bien-aimés chantent, je voulais raconter un jour. Vous devez croire ce que vous chantez. J'écoute vos cantiques tous les jours, tous les jours. Tous les jours, hein. Tous les jours. Vos cantiques, j'ai là, 4 heures du matin, 5 heures du matin, quand je me lève pour prier, j'écoute. Ce sont les choses inspirées. Mais ça doit être inspiré pour vous aussi. Amen. Vous avez une bénédiction qui est dedans, hein, c'est quoi vous chantez là? Moi, ça m'est béni. Amen. Donc, vous devez être béni. Amen. 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 Alors, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Pourquoi on n'a pas dit Israël? Pourquoi on n'a pas dit que le nom du Dieu d'Israël te protège? Viens, c'est fidèle de Dieu. Voilà l'interprétation. Viens, mon frère. La Bible, elle s'interprète elle-même. Hein? Mais il faut laisser Dieu nous donner la révélation. Voilà. Il va vous dire ce qu'il a dit. Et c'est vrai. Nous voyons que dans la Genèse, en face de la mort qui était imminente,
du fait de son caractère qui était encore mauvais et qu'il risquait la mort devant Ésaü, son frère. Dans sa détresse, il s'est séparé de tout, il est resté seul et il a crié au Dieu qui pouvait le sauver. En tant que Jacob, c'est Jacob qui a demandé le secours et c'est lui qui a pu rencontrer le Seigneur et c'est lui qui a été sauvé de sa détresse avant de devenir Israël. Dieu bénit son serviteur. Qui le croit? Ça veut dire toi, ton petit problème, là, Dieu règle ça. Un supplantant voulait devenir Israël. Amen. Alors, nous continuons. Psaume 20. Verset 3. Psaume 20, verset 3. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. Alors, quels sont ceux qui font des offrandes? Non, pas les bâtiments. Il y en a qui sont contents, hein? Amen! J'ai demandé de lever la main. Par contre, on plaisante trop dans cette église. Aujourd'hui, on est en train de organiser le. On ne donne rien! On ne fait pas d'offrande? Que l'éternel, si tu fais des offrandes. Amen! Mais tu fais combien d'offrandes? Qui comprend cela? Combien de fois tu as donné des offrandes à Dieu? Quand tu vois ton argent, ça ne suffit pas. Il faut que vous soyez instruit. Il faut que le peuple de Dieu soit instruit. Qui se souvient de toutes tes offrandes? Depuis le Saint-François, 1 million que tu as donné à Dieu, il va s'en souvenir. Qu'il a agréé tes eaux grosses, ça fait allusion à qui? Qu'il a agréé tes eaux grosses. Abraham, il devait tuer son fils et puis le brûler, son seul fils. Et Dieu a créé un bélier pour lui. Mais toi, tu ne donnes rien. Convention, ce n'est pas ton problème. À cause de la convention, tu restes en ligne. Et puis, quand on a dit, Dieu a été des rois, tu es d'accord. Amen. Tu dis amen à quoi? Les offrandes dont on parle, ce n'est pas à Isaac, hein? C'est à Dieu. Dieu t'a fait du bien, il y a un tronc. Ah oui. Il y a un jeune homme que je ne vous nomme pas. Le monsieur est marié, il a fait sa première fille. Un jour, il vient et dit, tonton, voilà mon premier salaire. Moi, je n'ai jamais enseigné les prémices. Hein. Ça existe? On peut même pas, on ne paye même pas les autres. Il dit, prends tout ça. Je n'ai pas compté les deux frères Kouma. J'ai pris le paquet, dit, frère Kouma, voilà ce que le jeune frère fait. Il est béni aujourd'hui. Hein. Son mari a été contesté par la famille. Tant. Il vient d'avoir une belle fille. On dit amen. Qui se souvient de toutes tes offrandes? Tu ne fais rien. Rien n'est pour Dieu. Tu as toujours la main tendue. Alors, je demande à ceux qui tendent la main, qui ne donnent rien. Qui va payer pour vous? Hey, frère, Hichet, ne donne pas l'argent. L'argent de qui? Hichet n'a qu'à donner l'argent de qui? Toi, tu ne donnes rien. Alors, et puis on connaît le passage. Les apôtres avaient tout en commun. Ça, c'est bien, mais toi, tu apportes quoi? Frère, réfléchissons, hein? Vous êtes à la maison, vous avez fui l'église là. Revenez. N'abandonnez pas votre assemblée. Revenez à l'église.
Nous allons nous préparer pour le jour de la rédemption qui est très proche. Amen. Alléluia. Amen. Qui se souvient de toutes tes offrandes et qui l'agrée tes holocaustes. Amen. Si tu en as fait. Amen. Amen. Si tu n'en fais pas, on ne peut pas oublier quelqu'un. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Et puis ce qu'un homme sème, c'est quoi? Tu sèmes la pauvreté, tu vois la pauvreté. Ouais, frère, il n'y a rien, mais tu es un homme égoïste. Le vrai jeu, c'est quoi? Partage ton pain avec ce qu'il a fait. Mais toi, quand tu vois un pain, tu dis, c'est trop petit, c'est pour moi seul. Tant pis pour toi. Abraham, il a donné son fils unique, celui qu'il aime, Isaac. Alors Dieu lui a donné un bélier. Et désormais, sa possédé possède les portes des ennemis. Si tu veux être triomphateur, mon frère, agis selon ce que Dieu te demande de faire. Continuons la lecture. Verset 5. Qui te donne ce que ton cœur désire? Oui, mais avant ça, il faut que tu fasses des offrandes. Ah oui, oui. Continuons. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. C'est tous tes voeux. Continuons. Nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes voeux. Qui veut cela? Alors agis selon la parole de Dieu. Tous tes voeux, c'est ce que tu veux là. Qui n'est pas contraire à la parole de Dieu. Dieu va agir. Amen. Si tu veux la mort de ton voisin, détrompe-toi. Quelqu'un a demandé quelque chose à Dieu. Et puis Dieu lui a dit, si tu donnes ça, je donne deux fois à ton voisin. Et comme il n'aime pas son voisin, il dit, mais casse-moi un œil. Là encore, les deux. Mais un chrétien ne fait pas ça. Nous devons aimer même ceux qui sont les moins aimables. Amen. On ne prie jamais contre un frère, on prie pour lui. Amen. Amen. Continuons. Verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Amen. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Et il a dit, j'ordonne que tu sois puissant. Amen. Il a bien compris. Les évêques puissants dans tous les domaines. Amen. Si quelqu'un a besoin de puissance, quelque part, il est déjà puissant. Ah oui, oui. Prenez le puissant dans tous les domaines. Amen. Et puis regardez ce que Dieu va faire pour toi. Amen. Continuons. Verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Ça, c'est le combat spirituel. Les démons, là, ils viennent contre nous. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Verset 9. Eux, ils plient. Et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Amen. Allez partout. On va se lever. Lève-nous. Lève-nous. Allez partout. La victoire de Jésus. Allez partout. Publie. Non, on peut voir la victoire de Jésus comme ça. Allez, non. Je résiste ce que j'ai essayé. Nous devons être des gens qui pratiquent la parole de Dieu. Dieu lui-même va nous sanctifier. Et si quelqu'un a un problème, quelconque, qui sait que Dieu a déjà réglé le problème, ne soyons pas des pingres.
Donnons à Dieu. Il va nous donner. Fais d'abord pour l'Éternel. C'est vous qui chantez ça, hein? Fais d'abord pour l'Éternel. Mais nous, on est là, on ne fait rien pour l'Éternel. On vient seulement à l'église. Mais pour venir à l'église, c'est un problème. Alors que la Bible dit, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, c'est avec joie. Du genre, les deux cantiques. Non, frère, soyons des gens pragmatiques. Amen. Faisons pour Dieu, il va faire pour nous. Amen. Et puis, il y a un autre chant que j'aime beaucoup. La parole de Dieu, là, c'est de l'eau. Elle coule. Si tu la refuses, elle suit son chemin. C'est vous qui chantez ça? Amen. Tu comprends ça? C'est de l'eau, hein? C'est-à-dire qu'on vous a parlé de Dieu aujourd'hui, soyons pragmatiques, faisons des efforts, faisons tout. Mais si tu refuses, toi tu laisses partir. Amen. Alléluia. Amen. Alors donne-le, allez pas tout. Avec vigueur, avec acharnement, avec ardeur. L'ardeur, c'est avec le feu. Amen. Amen. J'aime l'Éternel. Il entend ma voix, il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.